Suite au décès de son père, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a quitté le rassemblement des Bleus ce 31 mai. Il laisse ainsi à son adjoint Guy Stéphan le soin de diriger la séance d'entraînement qui devait avoir lieu dans l'après-midi. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a pris la parole pour affirmer qu'il venait d'apprendre ce 31 mai la disparition du père de Didier Deschamps. Il s'en est allé afin de rejoindre ses proches. Je lui assure toute mon amitié ainsi que tout mon soutien dans cette difficile épreuve, selon des propos relayés par l'équipe. Alors que le sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé par la disparition de son père, a dû urgemment quitter le rassemblement, les Bleus ont tenu à observer une minute de silence au cours de l'après-midi de mardi 31 mai. Sur une vidéo postée par la Fédération française de football sur ses réseaux sociaux. Un entraînement important, notamment lorsque l'on sait que l'équipe de France va affronter ce vendredi 3 juin le Danemark en Ligue des Nations. On espère que ce deuil ne jouera pas sur leur performance et qu'il leur donnera la volonté de vaincre en l'honneur du père de Didier Deschamps.